Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le chemin. On parle de chemin de vie, de persévérance. Donc ici, on vous dit ne vous découragez pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous espérez avoir des résultats et vous ne les voyez toujours pas venir. Et là, on vous dit surtout, tu es sur le bon chemin et surtout, ne lâche rien. Persévère, avance, tu verras que tôt ou tard, eh bien, tu vas avoir des retours positifs par rapport à tes actions, par rapport à ce que tu mets en place. Donc ici, il y a un cheveu, c'est un de mes cheveux. Ici, on me dit, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Mais même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et oui, on change, on évolue, on grandit, on apprend, on expérimente. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, surtout, persévère. Oui, soyez persévérant et persévérante, ne lâchez rien. Tôt ou tard, ce que vous avez appris, ce que vous êtes en train de mettre en place en ce moment, eh bien, ça va payer. Ça va payer, ça va vous permettre de vous sentir plus épanoui. Ça va payer parce que vous allez pouvoir peut-être conseiller quelqu'un d'autre. Ça peut payer de différentes manières. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami taureau. Mais oui, c'est plutôt joli comme message. Allez, ici. On vous parle de quoi? On parle de sagesse. On vous dit que vous allez savoir faire preuve de sagesse, de réflexion, que vous allez avoir la bonne intelligence par rapport à une situation. La sagesse, c'est la lucidité. Donc oui, vous allez être lucide, objectif par rapport à vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis de votre propre situation. Alors peut-être que situation sentimentale, professionnelle, peut-être par rapport à une situation. Peut-être qu'on va vous demander également peut-être d'être l'arbitre d'une situation. Vous voyez quand ça peut résonner pour. Donc oui, vous allez faire preuve de sagesse, d'accord? Sagesse, et on vous dit que oui, je demande ce qui est bon pour moi. Donc oui, vous allez faire preuve de sagesse, ou peut-être que vous avez déjà fait preuve de sagesse en demandant, alors peut-être en demandant à un patron, en demandant peut-être aussi à votre moitié, peut-être en demandant autour de vous quelque chose. Vous avez peut-être fait un vœu également. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches aussi, des démarches pour vous apporter un mieux-être, des démarches pour vous permettre aussi d'avancer, d'évoluer au niveau professionnel. Mais vous avez fait ça tout en respectant aussi, bah, vous, vos valeurs, et vous avez fait ça tout en respectant aussi votre bien-être. Ok, je veux bien avancer, je veux bien évoluer dans mon travail, mais pas à n'importe quel prix. Pas au détriment de ma famille, pas au détriment de qui je suis, pas au détriment de mes propres valeurs. Donc ici, on peut en être là, hein. Donc ici, oui, persévérez, ne lâchez rien, restez dans vos valeurs. Vous pouvez avancer, vous pouvez évoluer justement tout en étant tout en vous accomplissant, tout en vous épanouissant, en étant dans vos valeurs, en incarnant vos valeurs. Et c'est quelque chose qui est très, qui est, comment je pourrais vous dire ça, qui est très important pour vous, en fait, hein. Donc ici, oui, on a la sagesse d'avancer, d'évoluer et de demander en fonction de qui l'on est, en fonction de ses aspirations et en étant ben, honnête et droit envers soi, envers ses valeurs. D'accord? Parce que ici, vous connaissez votre propre valeur, vous connaissez ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, persévérez. Vous voyez, il y a des efforts encore à mettre en place. Il y a encore des efforts à faire. Peut-être qu'ici, c'est peut-être par rapport à un projet. Peut-être que c'est par rapport à une passion. C'est peut-être par rapport à une formation. On vous dit ne lâchez rien. Oui, il y a encore des efforts à faire, mais regardez, vous allez franchir les obstacles. Donc ici, oui, vous êtes bien aligné aussi avec la couleur rouge. On parle aussi, peut-être que ça fait peut-être peut-être que c'est une passion ici qui vous préoccupe. C'est une passion sur laquelle vous n'avez pas envie de lâcher. Et on vous dit oui, ne lâchez rien. Oui, vous allez pouvoir franchir les obstacles. Donc surtout, oui, restez aligné, restez bien ancré par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et vous allez voir que oui, vous allez franchir tous ces obstacles. D'accord? Bah, c'est plutôt pas mal. Les défis qui vont se présenter sur votre route, vous allez savoir les relever. Et vous allez même regarder les personnes qui peut-être qui pourraient être ces obstacles-là en leur disant même pas peur. Même pas peur, pourquoi? Parce que vous avez la bonne réflexion. Parce que ici, vous avez la lucidité et l'objectivité justement pour avancer. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Et là, on vous dit que l'univers, je suis connecté à la source. Bah oui. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Ne lâchez rien, les choses arrivent, c'est sur ton chemin, c'est sur votre chemin, ami taureau.
Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Oui, vous êtes, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Ben oui, vous êtes sur le chemin de votre vie. Donc ici, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que oui, peut-être que ce que vous avez vécu il y a quelques temps, ben, ça est en train de vous servir dans la situation que vous êtes en train de vivre. Et ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ben, vous servira dans une autre situation également. Donc ici, ben oui, en ayant cette compréhension, ben, vous vous connectez directement à l'univers et à la source qui va être votre soutien, la source qui va vous apporter des messages, qui va vous apporter des encouragements, qui va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à vous dépasser, à franchir les obstacles qui peuvent se situer dans votre vie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami taureau, mais c'est plutôt pas mal ici, hein. Donc, oui, des efforts à fournir, mais on vous dit que l'univers est là pour vous aider à construire, que l'univers va vous aider à avancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous avez l'objectivité et la sagesse, vous avez la bonne intelligence, vous savez que vous devez fournir des efforts, vous savez que vous êtes sur le bon chemin parce qu'en fait, même malgré ces efforts que vous êtes en train de fournir, vous vous éclatez, vous vous épanouissez. Alors oui, il y a des choses qui sont peut-être parfois difficiles, peut-être que vous devez faire peut-être affronter peut-être aussi un monde un peu cruel, mais vous vous dites que c'est pour aller vers le meilleur, c'est pour aller vers une réalisation de vous-même, pour concrétiser peut-être des rêves, pour matérialiser aussi une passion. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous avez la bonne objectivité, vous avez la bonne sagesse, vous avez la bonne intelligence. Oui, et vous prenez conscience aussi que vous êtes sur le bon chemin. Donc du coup, ben oui, on y va, on a le bon élan pour franchir les obstacles. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est de belles énergies pour vous, amis taureaux, cette semaine. Ici, je demande ce qui est bon. Pour moi, je suis connectée à la source. Eh bien oui, faites des vœux. N'hésitez pas à faire des prières. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges, à vos défunts, à l'univers, à la source. Oui, demandez, faites des vœux. D'accord? 7 et 1, 8. 8, c'est en général, c'est le chiffre de l'infini, de l'abondance. Donc si vous voulez recevoir l'abondance dans son infini ou l'infini dans l'abondance, eh bien ici, n'hésitez pas à faire des vœux. N'hésitez pas à solliciter toute votre équipe de lumière pour vous aider. Oui, connectez-vous à l'univers, connectez-vous à la source, connectez-vous à votre propre pouvoir également. Ici, n'oubliez pas que nous avons toutes et tous une source divine. Donc ici, oui, n'oubliez pas parce que bah, le chiffre 22, c'est le chiffre, c'est un chiffre, un maître. C'est un maître nombre, le maître nombre des bâtisseurs. Donc ici, oui, c'est pour bâtir quelque chose qui va être stable. Parce que 2 plus 2, ça fait 4. 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc vous avez envie de construire, bâtir quelque chose qui sera bien ancré, qui sera bien stable. Donc ici, n'hésitez pas, justement. Voyez ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas à demander et surtout à agir par rapport à ce qui est bon pour vous. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la vieillesse, on parle de sagesse. Ah ben, décidément, la sagesse. Donc ici, la sagesse, c'est la bonne réflexion, c'est la bonne intelligence, c'est être lucide et objectif par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place ou par rapport aux moyens à mettre en place aussi pour obtenir ce que l'on veut, ou en tout cas avoir la bonne lucidité par rapport à une situation, d'accord? Peut-être que par rapport à une colère de quelqu'un, ou peut-être aussi peut-être par rapport à une déception également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, vous allez avoir la sagesse. Donc ici, on dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Ben non. Vous avez compris que oui, ben, l'avis des autres, ce n'est que l'avis des autres, en fait. Donc oui, on vient vous demander, on vient vous solliciter, donc vous donnez votre avis. Et puis, si les autres ne sont pas contents, ben, ils n'avaient pas qu'à vous demander votre avis, tout simplement. Ben, c'est ce que vous leur direz, en fait, amis vierges. Donc tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Ben oui, sentez-vous libre de faire ce qu'il vous plaît. Vous n'avez pas à attendre l'approbation de qui que ce soit. Donc ici, vous allez le comprendre aussi et vous n'avez pas besoin non plus de l'opinion des autres, d'accord? De toute façon, n'oubliez pas, amis vierges, que quoi qu'on fasse, il y a toujours quelqu'un pour critiquer et il y aura toujours quelqu'un pour dire que ça ne lui plaît pas. Ici, on vous parle des ennuis, donc attention, il y a quelqu'un qui pourrait vous provoquer des ennuis, enfin qui va vous chercher des ennuis, c'est possible. Peut-être qu'ici vous êtes dans des problèmes, peut-être que vous êtes dans des soucis, peut-être
en train de vous séparer d'une personne dans des soucis peut-être juridiques également, peut-être ici en plein divorce. Ici, ça peut être aussi un problème également au niveau avec un héritage également. Donc ici, il peut y avoir des... Vous avez des petits soucis, vous avez des tracasseries en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, on est... La verre est dans la... Le verre est dans la pomme en fait, hein, et vous le comprenez et vous cherchez un moyen aussi à peut-être à purifier, à couper peut-être aussi des liens par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne également. Donc ici, pour l'instant, oui, vous êtes dans l'ennui parce que vous ne savez pas comment faire, d'accord? Bah, comment faire? Bah, c'est justement en continuant à faire vous comme cela vous semble bon pour vous, d'accord? Donc ici, des ennuis. On vous dit ici, il est temps de lâcher prise. J'accepte ce qui est. Peut-être qu'ici, oui, vous essayez de contrôler la situation. Peut-être qu'ici, vous rentrez en guerre, parce qu'en guerre entre guillemets contre la situation. Oui, mais cette situation-là, je ne l'ai pas demandée, je ne la veux pas, je n'ai pas envie de subir. Ben justement, c'est en ayant cet état d'esprit-là que vous subissez. D'accord? Vous subissez parce que justement, eh bien, vous n'acceptez pas. Et là, on vous dit lâche prise, accepte que cette situation arrive, que cette situation s'est produite. Et au contraire, au lieu de te dire, ben, pourquoi ça m'arrive à moi? Ou je n'ai pas envie de cette situation. Dis-toi, ben, qu'est-ce que ça va apprendre sur moi? Ok, je n'ai pas demandé cette situation est là, je ne peux pas l'ignorer. Qu'est-ce que je peux faire justement pour en tirer le meilleur? Qu'est-ce que je peux en faire pour en tirer le positif pour moi par rapport à cette situation? Donc oui, ça aussi c'est lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire laisser faire. Lâcher prise, c'est dire ok, j'ai pas demandé à ce que ça arrive, non. C'est là dans ma vie, donc c'est pour m'aider à acquérir de l'expérience, c'est pour m'aider à passer un palier, c'est pour m'aider à apprendre quelque chose. Donc ok, ben, je vais suivre cette situation qui ne me convient pas, j'accepte que ça vienne et je vais suivre le flot de la vie, donc je vais agir justement, ben, voir et ce que ça m'enseigne. Donc oui, j'accepte ce qui est. Bon, des fois je reconnais, c'est pas toujours facile. On est tous confrontés à un moment donné notre à des situations qu'on n'avait pas envie de vivre du tout, croyez-moi. Et bon, c'est en les acceptant, c'est en se disant, ok, de toute façon, ça s'est passé, passé. Je ne peux pas revenir en arrière. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire justement pour en tirer le meilleur parti? Ou qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Ou qu'est-ce que c'est censé m'apporter comme expérience? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on parle de justice. Ben justement, justice. Alors peut-être qu'ici, oui, vous avez affaire à la justice. Peut-être que vous attendez une décision de justice également. En tout cas, ici, avec la justice, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, que vous allez remettre de l'équilibre. De l'équilibre, vous allez retrouver de la stabilité. Regardez les ici, la balance n'est pas déséquilibrée, d'accord? Donc ici, oui, on est en équilibre, on va retrouver l'équilibre, on va retrouver la stabilité, on va être de nouveau bien stable. Ici, oui, après une période où peut-être que vous aviez voulu fermer les yeux parce qu'il y a un bandeau sur la justice, vous n'avez peut-être pas voulu voir une certaine situation, ici, ça y est, peut-être que, bah oui, vous allez vous faire justice bah, vous-même, la vie peut-être va vous rendre justice également. En tout cas, on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité, on retrouve une forme de sérénité également. Donc ici, la sérénité. Bah oui, pourquoi? Parce que j'imagine la vie que je veux, en fait, hein. Donc oui, je n'ai pas regardé ce qui ne me convenait pas. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux. Ok, maintenant j'ai ouvert les yeux. Je vois je vois ce que je ne voulais pas. Maintenant, il faut que je voie qu'est-ce que je veux. Il faut que je voie, il faut que je visualise qu'est-ce que je veux attirer à moi. Qu'est-ce que je veux construire dans ma vie. Qu'est-ce qui sera bon pour moi. Et ici, vous ne pouvez le faire qu'en étant bien équilibré, bien stable, bien aligné. Je suis aligné entre mon esprit, mon cœur et mon corps. Donc oui. Ici, je peux visualiser ce qui fait sens pour moi, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de matérialiser dans ma vie, ce que j'ai envie les actions que je veux mener justement pour accueillir les choses que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Donc ici, oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, travaillez sur la visualisation, amis vierges. Et vous verrez, même en travaillant sur la visualisation, ça va vous permettre aussi de retrouver une forme de sérénité. Vous allez vous sentir bien, oui, c'est vers ça que je veux aller. Donc ici, je vais vous visualiser comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Et ensuite, bah, passer à l'action. Passer à l'action en gardant toujours dans un coin de votre tête que ça y est, c'est déjà là, que ça y est. Bah oui, vous passez à l'action parce que bah, ça vous arrive à vous, en fait. Hein, ça vient pour vous, d'accord? Bah oui, c'est pas parce qu'on visualise et qu'on imagine que ça s'est déjà arrivé, que vous l'avez déjà, qu'il ne faut rien faire. N'oubliez pas l'adage, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc oui,
agissez et le ciel va se dire, ah bah tiens, il ou elle a compris, il est en train de passer à l'action, il est en train de mettre des choses en place, il se sert de ses compétences et aussi il a lâché prise, il comprend que bah oui, au lieu de lutter contre la situation, bah au contraire, je vois ce que la situation m'accorder, peut me donner également, peut m'apprendre aussi. Donc oui, tiens, on va l'aider. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais oui, l'univers va bouger pour vous, à condition que vous sachiez lâcher prise. Par rapport à ces ennuis, alors peut-être que vous avez des ennuis avec la justice, c'est possible. Ou en tout cas, peut-être qu'ici, par rapport à ces ennuis, il y a une justice qui va être rendue également. On peut le lire dans les deux sens, hein. Donc vous voyez comment ça fait sens, parce que vous êtes différentes personnes étant du signe de la Vierge. Donc oui, bah, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc ici, oui, il y a des ennuis. Vous avez eu des ennuis, en tout cas, peut-être que vous êtes en train de rétablir l'équilibre. Regardez, vous êtes en train de chasser les ennuis justement, et on vous dit que bientôt, continuez, vous êtes sur le bon chemin pour certains d'entre vous, et vous allez pouvoir chasser les ennuis, et ce sera bientôt derrière vous, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Et ici on vous dit, bah oui, il est temps de lâcher prise, accepte ce qui est, et visualise ce que tu veux. Ok, tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, peut-être que vous avez peut-être eu des compréhensions pourquoi, en tout cas oui, lâchez prise sur ce que vous voulez, et visualisez, peut-être qu'ici c'est juste... peut-être les moyens d'accéder à ce que vous voulez qui n'étaient pas les bons, ou peut-être qu'ici c'est juste peut-être une exigence qui était peut-être en trop, ou peut-être il faut peut-être juste simplifier votre demande à l'univers, visualiser aussi et lâcher prise ensuite. Ben oui, une fois que vous avez visualisé, ben, vous n'insistez pas, vous ne dites pas s'il vous plaît, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, non, vous dites merci, je suis heureuse, ou merci, je suis dans la gratitude pour parce que vous m'avez accordé. Ce vœu, parce que vous m'avez accordé ceci, parce que vous m'avez accordé cela, et ensuite vous lâchez prise. Vous lâchez prise et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont se passer. Alors, je ne vous dis pas tout de suite, hein, parce que des fois ça demande du temps, ça peut demander plusieurs années pour que ça se mette en place. Et oui, mais ça dépend aussi de vos actions, de votre état d'esprit, de ce que vous allez mener également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre premier message? La plage, et on parle de joie. Bah, vous êtes dans la joie cette semaine. En tout cas, vous allez vivre des situations qui vont vous apporter de la joie, et c'est tant mieux. Donc la joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Donc ici, oui, soyez dans le moment présent. C'est dans le moment présent que vous allez vivre le plus de joie également. Et vous allez prendre conscience aussi que la joie peut prendre différentes formes. Ça peut être, bah oui, un beau lever de soleil ou un beau coucher de soleil. Ça peut être aussi une discussion entre amis qui va vous apporter de la joie, qui va vous faire du bien également. Donc oui, célébrez chaque jour de cette semaine tous les petits bonheurs que vous allez pouvoir vivre. Ne serait-ce que bah, savourer un bon café, par exemple, ou aller manger une crêpe avec un pote enfin une copine, ou peut-être aller même juste aller faire les boutiques, discuter également. Ou peut-être qu'ici, ça peut être aussi une bonne tranche de rigolade avec des collègues de boulot. Oui, tout ça, ce sont des petits moments de bonheur et on vous dit surtout bah, de les apprécier et de vous en imprégner. D'accord? Donc ici, oui, il y a de la joie pour les Capricornes cette semaine et c'est tant mieux. Allez, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de bah, lâcher prise, il est temps de vous détacher peut-être vis-à-vis d'une situation. C'est en vous détachant de cette situation que vous allez pouvoir vous reconnecter à la joie, que vous allez pouvoir de nouveau apprécier votre vie. Chaque petit moment qui en vaut la peine en fait, hein. Donc oui, il est temps maintenant de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, de couper les ponts, de couper les liens avec des personnes qui ne vous correspondent plus également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici... Il est temps de lâcher quelque chose derrière vous, de ne plus vous retourner. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Mais oui, c'est comme ça qu'on va se reconnecter à la joie. Ici, bah oui, en lâchant prise, en coupant des liens ou en coupant avec un certain état d'esprit aussi qui vous... alors, ça peut être en coupant avec de la nostalgie, en coupant avec de la tristesse ou de la mélancolie. Eh bien oui, je me détends du coup, je me sens mieux, je me sens mieux avec moi, je prends du temps pour moi, je me chouchoute, je m'apporte du bien-être. Donc ici, oui, je tourne le dos, je lâche prise et là, je vais m'apporter du bien-être, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de ce que j'ai envie de faire ou de ne pas faire. Je vais être ici, m'octroyer du cocooning
Également, peut-être aussi, bah, peut-être voir quelqu'un pour faire une séance de massage, pour me détendre également. Ici, pour justement, peut-être aussi réactiver certaines énergies de bien-être également, pour se reconnecter à la joie, pour être reconnecté à son corps également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Capricorne, mais c'est plutôt pas mal ici. Ici, c'est oui, c'est du bien-être. J'ai envie de. Je lâche prise parce que maintenant, j'ai envie de m'apporter du bien-être, j'ai envie d'être heureux. Ou heureuse avec moi-même en fait. Hein. J'ai envie d'être heureux et heureuse dans ma vie. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation. Donc il y a quelque chose. Oui, vous allez transformer quelque chose. Et si vous allez apporter du changement dans votre vie. Bah oui, comme je me sens joyeux et joyeuse, bah oui, je vais apporter de la joie dans ma vie. Du coup, je vais regarder les choses de manière différente, avec beaucoup plus de joie. Bah tiens, oui, ça pourrait changer. Parce que bah voilà, ceci. En tout cas, oui, on passe de la chenille au papillon. Donc ici, on veut changer quelque chose. Quand on se sent en joie, on va regarder les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Et peut-être qu'ici, bah, ce sont vos actions qui vont être transformées également. Vous allez peut-être transformer certaines idées, certaines envies également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Capricorne, mais c'est plutôt pas mal, hein. Et ici, on dit attraction, je suis un aimant puissant. Eh bien oui, du coup, vous allez pouvoir attirer. Je suis dans la joie. Je me sens bien. Ici, j'ai envie de changer, j'ai envie de transformer les choses, ou en tout cas, parce que je me sens bien, ben, je vois ce qui a changé et ce qui a transformé. Ça ne me fait pas peur, ben non, parce que je suis bien ancrée. Hein. Ici, je suis bien en accord avec moi-même. Et du coup, j'ai envie d'attirer, je vais attirer à moi. Ici, on retrouve une forme de puissance. Je me sens puissant et puissante à agir sur ma vie. Je me sens puissant et puissante à transformer et apporter du changement. Le changement que j'ai envie, le changement qui va m'apporter de la joie. D'accord? Donc ici, oui, du coup, vous allez attirer de belles situations. Vous allez avoir aussi de belles opportunités. Vous allez vous dire, bah tiens, c'est bizarre. J'avais demandé ça il y a quelque temps et je les reçois maintenant. Ben oui, parce que vous avez changé d'état d'esprit, parce que vous êtes dans l'ouverture, vous avez envie d'attirer à vous, vous avez envie d'accueillir la magie de la vie. Vous vous laissez un petit peu porter aussi. Ok, je veux ça, je vais faire ce qu'il faut et je verrai bien ce que je vais récolter. Vous avez confiance en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut se donner pour vous. Donc oui, ici, on lâche prise, pourquoi? On lâche prise parce que maintenant, on a envie d'avoir du changement, de transformer sa vie. On a envie d'évoluer, on a envie de passer à autre chose, de chenille au papillon. Donc oui, on lâche prise, on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus et on a envie de joie. On a envie de transformer sa vie pour aller vers la joie. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. D'accord? Donc on transforme, on lâche prise et on se sent bien. On se sent bien, bah oui, on est détendu. Ici, oui, la joie va permettre d'être détendu. On se sent heureux et heureuse. On vit des situations qui sont plutôt sympas. Donc ici, bah oui, je prends du temps pour moi. Je m'occupe de moi. Je bouquine. Je vais faire une balade, je vais faire du shopping, je vais passer une soirée entre potes également. Ici, oui, quand ça va pour vous, eh bien oui, parce que je me détends, parce que je me sens bien, eh bien oui, je me reconnecte à moi, je me reconnecte à ma puissance, je retrouve l'envie d'éprouver de la joie, j'ai l'envie d'être avec les gens aussi, l'envie de m'occuper de moi, et je prends conscience aussi que j'ai une puissance, que je dégage quelque chose ici, et que du coup, eh bien, je peux attirer à moi ce que j'ai envie. Je peux attirer à moi des bienfaits également. Bah oui, quand on est dans cet état d'esprit de joie, de détente, d'accueil, bah oui, j'accueille ce que la vie a de bon à me donner. C'est exactement ça. Vous pouvez le répéter, ça. J'accueille ce que la vie a de bon à me donner. C'est un joli mantra à se répéter au moins tous les jours, parce qu'au moins, bah, ça va vous aider à attirer des belles choses. Et bien sûr, quand vous dites la phrase, hein, j'attire à moi ce qui est bon pour moi, hein, je suis dans l'accueil de ce que la vie a à me donner, eh bien oui, soyez-en persuadés et croyez-y, d'accord? Parce que si vous dites comme ça, on verra bien, non, il faut y mettre l'intention et y croire. Eh bien écoutez, ami Capricorne, c'est plutôt un joli, ce sont des jolis messages. Hein. Ici, oui, croyez en vous, croyez en votre potentiel. Vous allez attirer le changement parce que, bah oui, déjà, vous êtes dans une énergie de changement. Vous n'êtes plus dans la mélancolie, vous n'êtes plus rattaché au passé. Vous êtes au moment présent, vous êtes en train de vous attacher au moment, vous êtes au moment présent. Profitez du moment présent pour ensuite bah, créer votre futur. Et c'est exactement ça. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, ami Capricorne. Je vous souhaite, eh bien, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et oui, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.